Sinon ça marche pas, il faut faire comme ça et tu l'arrêtes. Et là, la balle va revenir très vite. Au niveau du tennis, fort mentalement. See you, Space Cowboy. Bang. Bonjour à tous, et bienvenue dans le deuxième tour de Bastien au tournoi des Margues. Aujourd'hui, on affronte Arnaud, classé 15, ancien 5-6. Arnaud est un joueur à l'ancienne. Il a un jeu de défense. Il sait bien contrer la balle. Et adore le chip and charge avec un repère, avec un revers slicé croisé. Bon voilà, trêve de plaisanterie. Donc le second tour, enfin deuxième, face à Arnaud. Je joue le lendemain de la victoire face à Julian. Donc là je commence un peu à enchaîner les matchs. Ça commence à picoter dans les jambes. Et surtout dans le bras. Pour ce match, clairement, j'ai les crocs. J'ai faim. J'attaque direct. Je me mets directement en situation. Hop, le petit winner. Balle de 3-0. Que je convertis. Donc là, j'ai un break d'avance. Alors, pour ce match, il s'est passé quelque chose de particulier. Arnaud a joué avec deux raquettes différentes. T'es pas trop en confiance. Encore une fois, il me fait mentir sur le coup qu'on vient de voir. Mais, ouais, il jonglait entre son ancienne et sa nouvelle raquette. Il avait du mal. Comme il m'expliquait à la fin du match, il avait l'impression que toutes ses balles étaient courtes. Il n'arrivait pas à trouver la longueur. Il se sentait raide sur ses jambes. Qui revient à 3-2. Hop, de nouveau un twinner. Mais il tient bien le jeu. Il est plutôt agile à la volée. 3 partout. 40 à jeu égal. Un peu de réussite, mais c'était mérité. J'avais joué plutôt juste ce point, mais j'ai pas claqué le smash, et ça m'a valu le jeu. Donc il repasse devant, 4-3. Vous avez vu la petite montée à contre-temps. Ça va, je tiens bien. Ça m'a pas trop perturbé. Un peu facile. Donc là, on se retrouve à 5 partout. C'est un peu plus combattu dans la deuxième partie du premier set. Commence un peu à s'agacer. Donc là, on se retrouve dans le tie-break. Pour l'instant, on fait vraiment jeu égal. Et là, sur ce point, il a très très bien couru. Très bonne couverture de terrain.
d'ajout de sa part. Un mini break pour lui dans le tie break. Je me fais avoir. J'essaye d'anticiper une volée amortie et il me la fait longue. Je me retrouve avec une balle dans les pieds. Allez, il a confirmé. 5-2. Puis 5-3. Je fais un bel enchaînement pour monter à la volée. Ah, j'ai ce défaut des fois de reculer alors que je suis au filet. C'est un atout. On va le chercher directement à la volée et il a raison. Un petit manque de réussite de mon côté. Et derrière, le 7 est pour lui. Bien joué à lui. On rattaque le second set à fond. On va faire les erreurs du premier set. Mener 3-0 et. Et laisser filer. Ouais, c'est pas mal du tout ça. Le contre-pied sur le revers, puis la volée croisée court. Il se déplaçait plutôt bien. Il était raide dans les ajustements. Mais il allait chercher les balles jusqu'au bout. Ça m'obligeait à jouer parfaitement. Là un peu extérieur, la volée est parfaitement touchée. Comme on dit dans le jargon, je lui ai fait visiter le terrain. J'ai réussi pas mal de beaux points et parce qu'il y a toujours un mais, je rate des occasions. Là, j'écarte une balle de break. Là, la construction est bonne encore une fois. Il se tend un peu. Je reste agressif sur ces jeux de service. Fait des erreurs et on a assisté à deux non-jeux entre 3 et 5-0. Il n'y a pas grand chose à voir. On se retrouve à 5-0 pour moi dans le second. Je distribue bien là. Ouais, mais je pêche dans la finition. Donc il prendra un jeu de service. 5-1. Vous l'aurez constaté, je suis toujours malade. Hein. J'ai la voix éclatée. Surtout que bon, je suis très courbaturé là. À cause de la maladie, bien sûr. À cause des matchs. Et petite anecdote, demain je joue 3 matchs. On est samedi là. Samedi 1er avril. Et demain j'ai ma troisième journée des matchs par équipe. Plus mon premier tour à Bouillargues. Ouais. Beaucoup de droits de ma part. Un peu en arrière. Bon voilà, un ace sur seconde balle.
pour la balle de 7. Le troisième set est attaqué. J'ai mis un sweat parce que bah on se les pèle. On n'a pas encore changé d'heure. C'est quoi? C'est 19h à peu près, 19h15. Et bah il fait nuit. On changeait d'heure le lendemain. Et je sentais que je commençais à attraper froid. C'est peut-être pour ça que je suis malade. Ouh! Très très joli passing. Pourtant je fais une très belle montée. Et lui il la dépose. Comme un grand seigneur. Long de ligne. Je ne pouvais rien faire. Je commence à ressentir aussi de la tension de mon côté. Des coups qui passent moins. Lui continue à bien couvrir le terrain. A bien servi. Le fameux 1-2. Service extérieur, puis attaque long de ligne, ça marche toujours très bien. Allez, 3-1, j'ai un break. Je le fais jouer. Il rate des coups assez simples, donc j'en profite. Je l'ai mise dans la raquette. Comme il n'est pas manchot à la volée, bah il profite. C'est des occasions faciles. Allez, balle de 4-1. Je la saisisse. Ouais. Je manque de réussite, je prends le let et derrière, il la met parfaite. De 3-2 maintenant. Aïe. Ça c'est la bêtise. Le naturel qui revient au galop. Bon, 3-2, je me reconcentre. J'ai toujours mon break d'avance. J'essaie de mettre en place mes plans de jeu, mes tactiques. Bon là on a assisté à un fait de jeu qui a valu un banc. D'ailleurs, vu le bruit, le banc est cassé. Allez. Eh bien je rentre dans la balle. J'impose mon jeu. J'anticipe un peu ses montées à la volée. Surtout que je sais bien passer. Surtout en revers d'ailleurs. Ça c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Tout le monde monte sur mon revers. Alors que bon. En coup droit, je suis nul pour passer. Ouais. Ah c'est juste hein. Allez, 4-3. Toujours mon break d'avance. Très très beau retour de sa part. Très belle longueur. Il gagnera le premier point du jeu mais derrière, je vais enchaîner. Il va faire 2-3 fautes bêtes. De casser son rythme. Au coup droit, belle longueur, ça l'a dérangé. Il en jette sa raquette. Allez, si on peut terminer sur un break.
Là, je suis content de mon coup. Pas de très belle attaque, il me déporte. Bien placé. Le contre-pied, ça fait mouche. Allez, 30 à ce point là pour se procurer une balle de match. Yes, derrière la balle de match, il avait bien servi. Je fais un retour filé. Là, j'essaie de monter à contre-temps, mais lui à contre-temps. Il est monté pour couper la trajectoire. Je l'avais même pas vu. Menace 0-30 sur mon jeu de service pour éventuellement terminer le match. Serrer le jeu. Voilà, monter en deux temps. Première volée, je la remets un peu longue. Allez, nouvelle balle de match. Aïe aïe aïe. Au manque de réussite. Voilà, clairement j'ai pas de chance. Pour la petite anecdote, la raquette a glissé de ma main. Et je me suis fait super mal au genou. Je me suis donné un coup. On a commencé à gonfler. J'ai quand même serré les jeux suivants. Enfin les points suivants, pardon. Allez. Nouvelle balle de match. Faut la saisir. Je m'applique vachement dedans. Ok. La balle est faute. C'est gagné. Bon, Arnaud était un peu tendu. C'est dommage. C'est un mec super cool. Et je sentais que ben, c'était pas son jour. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser. Pour qu'il prenne sa revanche. Et que ce soit un peu plus détendu. Et moi je me suis régalé. Ça me fait une perf. Et puis surtout ben, je continue mon aventure au tournoi des Margues. Donc vous allez recevoir une nouvelle notification incessamment sous peu. Du match suivant. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, et puis on se dit à très vite mes oursons. Allez, ciao.